give it a shot. Hey, who they quiet a lot? All they do is to give it a shot. No, no. Adri the Monster. Yo tout le monde, c'est Adri 33 the Monster qui vous parle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay. C'est une tentative sans kill en spécialiste. Et je dis bien uniquement en spécialiste. Donc ce gameplay n'est pas le mien, mais celui de Ronaldo Zenifel, donc un membre de ma team. Donc Ronaldo, présente-toi. Salut les gens, moi c'est Ronaldo Zenifel. Je suis un membre de la team SR Family Game. Donc voilà, ça c'est mon gameplay. C'est, je vous résume un petit peu le défi. Ouais, donc parle-nous un peu du défi. Donc en fait, je vais juste expliquer comment faire, enfin comment devait se dérouler le défi, on va dire. Et après, tu nous parleras un peu des moments que tu as eu difficiles ou pas difficiles de ton gameplay. Enfin bref. Donc en fait, le défi était de réaliser 100 kills en spécialiste. Donc voilà, donc maintenant tu expliques un peu ton gameplay, tu fais. Bah en fait je jouais pour le fun et tout. Et là je commence je vois que c'est que le début de la partie. Je fais quand même un certain nombre de kills. Et je me suis dit putain, je vais tenter le défi que les abonnés d'Adri m'avaient demandé. Donc voilà, vous allez voir si je l'ai réussi ou pas. Ouais, donc voilà. Au passage, donc t'étais avec quelques membres de notre team, donc et certains. Quatre membres, donc il y avait Juan Pablo, ouais. Fighter, après il y avait Max Killer et Ken. Voilà. Donc Ken qui est plus dans la team, donc voilà. Bref, donc au lieu d'être avec toi, donc ils étaient contre toi. Tu m'as expliqué que en fait tu les avais rejoints. Et ouais. Ils devaient t'inviter dans le groupe, mais malheureusement ils n'ont pas eu le temps, donc vous avez commencé la partie sur Dom. Donc déjà je vais présenter un peu le gameplay. Donc voilà, donc le défi vous connaissez, donc qu'est-ce que c'est ce défi. Et donc c'est sur Dom en QG, donc un mode qui dure assez longtemps, 20 minutes. C'est pour ça que vous allez pouvoir voir, donc là vous voyez c'est en accéléré. Vous allez pouvoir voir que donc certaines dans certains moments, il y aura des moments accélérés, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger car le gameplay dure 20 minutes et c'est assez long, donc voilà, je préférais faire court et vous présenter un gameplay de 10 minutes. Donc pour les classes, donc tu vas un peu dire tes classes, donc en fait c'est un peu de tout, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ouais voilà, parce que j'avais une classe au départ. Mais après je sais pas pourquoi j'ai ramassé toutes les armes que je voyais par terre. Ouais, et puis en même temps t'as changé de classe ouais, toutes les deux minutes quoi, tu changeais de classe. Voilà, c'est ça. Et ouais, donc en fait c'est un gameplay assez long, ouais, mais on s'ennuie pas en fait. Et donc en fait bon, au niveau des classes, donc comment vous avez pu voir c'est un peu de tout. Et donc comme je vous l'ai dit, le défi était encore plus difficile vu qu'on tombait contre notre team. Même si on se connaissait bien, on connaissait un peu le jeu des adversaires, donc c'est notre team. C'était un peu difficile vu que quand même ils sont assez forts, hein, on recrute pas des merdes, hein, notre team on va dire. Et donc voilà, donc ça rendait encore plus difficile ce défi de réaliser 100 kills juste en spécialiste. Donc je vais me présenter un peu ma chaîne, après on parlera d'un sujet, donc c'est-à-dire le sujet principal sera est-ce que spécialiste fait autant de kills que assaut. Est-ce qu'on peut réaliser autant de kills en spécialiste que en assaut. Donc voilà, on parlera de ce sujet après ma présentation. Donc moi je m'appelle Adrien, je viens de Bordeaux. Je suis un youtubeur qui a recommencé YouTube il y a à peu près un mois. Je fais des séries le mercredi, donc le mercredi c'est Moabala, donc c'est une nouvelle série que j'ai commencé il y a à peine une semaine à peu près. Et le samedi il y a partie en classe générée. Donc mais voilà, j'ai fini ma présentation. Il y a une autre série qui va reprendre pendant les vacances d'été aussi. C'est, ah oui. Voilà, donc tu peux le dire. Ouais. Hein, Non, vas-y, présente-toi. Mais donc en fait voilà, donc j'ai plusieurs projets pour pendant les vacances.
La première, c'est donc remplacer Moab à la place de moi, prêt pour des Moab en live. Donc on avait commencé l'épisode numéro 1 pour mes 50 abonnés. Et donc l'épisode numéro 2 sera le premier mercredi des vacances. Donc pour moi les vacances ça sera le 5. Toi je sais pas, tu m'as pas dit, ça serait quand le 5 juillet pour moi. Moi c'est le 5 mais je pars en vacances. Parce que nous l'arrêt des notes c'est le 10 juin. Ouais. C'est pas mon conseil. Pareil. Après moi je pars en vacances. Je reviens le 9 ou 10 juillet. Ouais, donc un mois après quoi. Donc en fait, peut-être tu feras pas l'épisode numéro 2 avec nous, mais au pire tu feras l'épisode peut-être 3, enfin bon, tu feras les autres épisodes. Ouais, parce que je ferai les autres épisodes, il y en aura, c'est pas. Ouais, c'est sûr, il y en aura avec tous les vacances pendant 2 mois, j'en mettrai tous les mercredis. Voilà. Et la deuxième série sera. Ça sera quoi, mince. Ah oui, c'était en fait c'était opération spéciale, donc en fait vu qu'on est une team sur Code Elite, on fait des opérations spéciales à peu près le samedi, vendredi et dimanche. Donc voilà, j'uploaderai des opérations spéciales qu'on aura fait et voilà. Et aussi peut-être à la. Alors donc ça sera ou opération spéciale, tous les samedis, j'alternerai, excusez-moi. Par opération spéciale et aussi des VS contre des teams. Donc là on risque d'en faire une d'en faire un VS contre une team. Donc peut-être que je uploaderai ce VS1 sur ma chaîne, vous le verrez. Donc ça sera le premier épisode de. Donc la team, je tiens à préciser que c'est pas une team de merde. C'est une team vraiment qui a du niveau. Voilà. Ouais. On va pas trop se vanter, hein. Voilà, bon, c'est vrai, bon, on a un bon niveau, on va pas dire le contraire, mais bon, on n'est pas quand même des. Enfin, on est bon, mais on n'est pas non plus des. Hein... Des PGM. Ouais, des PGM. Enfin bon, on joue un peu pour le plaisir. Ouais, voilà, c'est pour le fun. Donc, le gameplay déjà est presque à sa fin. Vous avez pu voir au début de la vidéo, donc avant qu'on passe du premier sujet et du dernier, parce qu'on n'aura pas le temps d'en faire d'autres. Au début de la vidéo, il y avait trois chaînes communautaires. Ouais, chaînes communautaires, excusez-moi. Donc, il y avait RecDuFace, pardon. Ensuite, il y avait Code Défi. Donc, je pense que ça plaira à Code Défi. Au pire, si le gameplay, vu qu'il est accéléré, si ça vous plaît pas, je le referai. Au pire, on refera un commentaire pour. On fera un commentaire. Ouais, pour les chaînes communautaires, si ça vous plaît pas, que ça soit en accéléré. Et il y avait aussi The Community Code, donc une autre chaîne communautaire. Donc, on va parler du sujet. Donc, le sujet, c'était est-ce que spécialiste permet de faire de qui. Voilà. Que Asso, en fait. Donc, le plus strict Asso. Donc tu vas un peu nous dire, vu que c'est toi quand même qui a fait ce gameplay. Donc est-ce que pour toi, est-ce que ça fait autant de kills que Asso? Bah oui, largement. Moi je fais des scores en spécialiste de monstre, qu'en Asso je fais pas ce que je fais en spécialiste. Parce qu'en spécialiste, quand tu obtiens tous tes atouts, après tu te sens surpuissant, tu rush, t'es plus agressif. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Ouais, en fait, t'as tous les atouts, donc en fait, en même temps. T'as pas peur, en fait. Ouais. T'as moins de risque de mourir avec tous les atouts. C'est vrai, t'as raison. Alors qu'en assaut, t'as juste peut-être les hélicos qui peuvent te protéger tes arrières. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Oui, donc voilà. Est-ce que. Donc, vous allez nous dire dans les commentaires si pour vous, spécialiste est plus. Est plus intéressant que Asso. Est-ce que pour vous ça fait plus de kills? Donc pour moi oui, donc Ronaldo a dit oui, mais pour moi aussi oui. Pourquoi? Parce que vous êtes un surhomme, on va dire, avec spécialiste, voilà, ouais, un surhomme, on va dire, voilà. C'est un peu. On va utiliser ça. Ulysse des Call of. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai en fait, c'est vrai que ça permet beaucoup plus de, enfin, de faire beaucoup plus de kills. Et donc ce gameplay est bientôt à sa fin. Attendez, je regarde un peu. Ça dure à peu près. Ouais, donc voilà. Donc il nous reste à peu près 1 minute.
Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc on va finir donc pour donc voilà, donc c'est à moi de parler maintenant. Pour moi, spécialiste, ça nous permet de faire beaucoup plus de kills. Donc comme je disais, grâce à notre comment dire, à notre supériorité par rapport aux autres. Donc voilà, notez, mettez dans les commentaires si pour vous spécialiste arrange. Enfin, nous fait faire plus de kills que assaut. Après, c'est vous qui voyez. Attends, je veux juste dire un petit mot pour la fin. Je vous rappelle plutôt que Adri, il a dit pour les 100 abonnés, on fera un spécial zombie. T'es d'accord, Adri? Ouais. Donc ouais, ça serait bien. Donc c'est bon. Donc là, c'est fini. On a perdu. Bon, c'est normal, hein, vu qu'il y avait des forts en face. Et on se termine sur un 97-83, donc pour moi, il est réussi ce gameplay, enfin ce défi. Et donc voilà, pour moi il est réussi. Pourquoi? Parce que il a fait 15 assistances et vu qu'il joue en spécialiste, détermination. Donc pour chaque assistance, ça fait un kill. Donc 2 assistances égale 1 kill. Et donc comme il en a fait 15, pour moi il a fait 7 kills de plus, donc il fait à peu près 104 kills. Et donc pour moi, oui, ce défi est réussi. Après, vous voyez dans les commentaires, dites-moi pour vous s'il est réussi ou non. Allez, bye bye, à la prochaine. Peace. Ciao les gamers.